1937, réuni à Zurich, le Congrès sioniste engage le débat sur les propositions de la commission Peel qui propose le partage de la Palestine en deux États et l'intérêt que cela pourrait présenter. Face à ceux qui veulent immédiatement toute la Palestine, et même plus, Weizmann et Ben-Gourion arrivent à convaincre d'accepter cette proposition et de l'utiliser pour atteindre l'objectif réel du mouvement sioniste. Ben-Gourion dit « Pour la première fois, promesse a été faite au peuple juif qu'il pourra devenir une majorité et créer un État juif indépendant, non pas dans une partie du pays, mais dans la terre d'Israël historique. Les frontières, c'est un fait, ne sont pas encore définies. Elles ont d'ailleurs changé selon les époques. Mais elles devront sans doute inclure la Transjordanie, pas seulement ce qu'Abdallah a obtenu, mais aussi la partie nord, au-delà de la rivière Yarmouk, actuellement sous mandat français. L'État juif que la Commission nous propose, même avec toutes les rectifications et améliorations imaginables, ne coïncide pas avec les buts du sionisme, car la question juive ne peut être résolue dans un tel territoire. Il ajoute devant la presse britannique et à la suite du Congrès, aucun sioniste ne peut renoncer à la moindre parcelle de la terre d'Israël. Le débat porté sur laquelle des deux routes conduirait le plus rapidement au but commun. En 1947, est mis en œuvre le plan Gimel, qui consiste en une série préétablie de réponses à la résistance palestinienne. Il consiste à attaquer les centres de la population palestinienne pour affaiblir la résistance et, je cite, « tuer les dirigeants politiques palestiniens, tuer les agitateurs palestiniens et leur soutien financier ». Tuer les officiers et fonctionnaires palestiniens haut placés dans l'administration du mandat. Après l'échec de la conférence de Londres en 1946, les Britanniques annoncent qu'ils souhaitent se démettre du mandat que la Société des Nations leur a confié en 1922 et remettre la question de la Palestine entre les mains de l'ONU. En juillet 1947, alors qu'une commission spéciale des Nations Unies sur la Palestine, la 17e en 25 ans, composée de 11 États membres, se trouve en Palestine. La Haganah organise l'opération Exodus dans le plus grand secret. On va hurler aussi avec les loups. Et avec la complicité de dirigeants socialistes français, en particulier Léon Blum, André Brumel et Jules Moch. L'Exodus, un vieux rafiot qui te porte de bouc. A résonné au large de Gaza, les immigrants se révoltent. Plusieurs sont tués par les Britanniques. Le navire est renvoyé vers la France, puis l'Allemagne. La commission d'enquête internationale assiste à ces violences. Au sein de désespoir, elle confirme l'urgence nécessité de retirer le mandat aux Britanniques, choisit l'option du partage de la Palestine en deux États, l'un juif, l'autre arabe, comme ils disent, avec un statut international pour Jérusalem et les lieux saints, et le propose à l'Assemblée générale des Nations Unies qui l'a mandaté. Avant même le plan de partage voté par les Nations Unies le 29 novembre 1947 que nous commémorons aujourd'hui, Ben-Gourion tenait en public un discours allant dans le sens des attentes des puissances occidentales et en privé, dans les instances sionistes diverses, l'affirmation que toutes les options sont permises pour atteindre l'objectif réel, un État juif aux frontières déterminées par les conquêtes militaires à l'intérieur desquelles se trouve le moins possible d'Arabes. Dès le 2 novembre 1947, Ben-Gourion déclare pour la première fois publiquement, dans les termes les plus clairs qui soient, que le nettoyage ethnique constituait le moyen alternatif ou complémentaire pour garantir que le nouvel État serait exclusivement juif. Les Palestiniens à l'intérieur de l'État juif, dit-il à son auditoire, peuvent devenir une cinquième colonne et si cela se produit, on peut soit les arrêter en masse, soit les expulser. Dieu vaut les expulser. Le 12 novembre 1947, Golda Meir, alors dirigeante du syndicat La Histadrout, rencontre secrètement l'émir Abdallah de Transjordanie. En échange de la possibilité de s'approprier les territoires alloués aux Palestiniens, Abdallah s'engage à ne pas permettre à ses armées de pénétrer à l'intérieur des frontières de l'État juif. Par la suite, il obtiendra que l'ensemble des forces arabes en Palestine soient placées sous son commandement, avec à la tête de la Légion arabe un colonel britannique, Gleb Pacha. Le 29 novembre 1947, à la veille du vote, les positions des 57 États membres de l'ONU sont déjà quasiment connues.
La majorité des deux tiers nécessaires ne sera pas atteinte et le plan de partage ne sera pas adopté. Parmi les États qui ont fait connaître leur décision de se prononcer contre, Haïti, les Philippines, le Libéria et la Grèce sont considérés comme les plus faciles à retourner. Aussitôt, les États-Unis jettent tout leur poids dans la bataille. Pour convaincre le Libéria, c'est Harvey Firestone, propriétaire des entreprises de pneumatiques du même nom et d'un grand nombre de propriétés de caoutchouc au Libéria, qui monte au créneau avec succès. Les responsables du mouvement sioniste font jouer leurs relations. L'intervention de Haïm Weizmann, ses multiples conversations téléphoniques avec les hommes politiques français au cours de la nuit précédant le vote réussissent à convaincre Paris d'approuver la résolution alors que l'abstention était annoncée. Des pressions identiques, voire de la corruption, sont exercées sur les autres pays, ce qui fera dire à James Forrestal, ministre de la Défense des États-Unis, les méthodes utilisées pour faire pression et pour contraindre les autres nations au sein des Nations Unies frôlaient de près le scandale. C'est ainsi qu'a été voté le partage de la Palestine historique. Alors qu'aux États-Unis, les sionistes, le lobby sioniste s'exerce à pousser du sein du peuple juif que montent des voix pour s'opposer à ce projet de colonisation. L'American Council for Judaism dénonce le sionisme comme injuste, malhonnête et dangereux. L'avocat Alfred Lilienthal refuse aux sionistes de parler au nom de tous les juifs. Par la suite, ce sont des centaines de personnalités juives, dont Albert Einstein, Moshe Menouin, pour ne citer que les plus célèbres, qui dénoncent les pratiques des dirigeants sionistes. En Grande-Bretagne, c'est l'historienne Arnold Toynbee qui déclare que le sionisme vise en fait la création d'un ghetto à une grande échelle, ajoutant que le sionisme et l'antisémitisme représentent un point de vue identique. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies se prononce en faveur du partage de la Palestine par 33 voix pour, dont la France, les États-Unis, l'URSS, 13 voix contre, essentiellement les pays arabes ou musulmans, et 10 abstentions dans la Grande-Bretagne. La Palestine, en Palestine, vivent environ 2 millions de personnes. Dans l'État des Juifs, le plan de partage accorde 53% du territoire avec une population de 905 000 habitants, dont 407 000 arabes et 498 000 juifs. Pour Ben-Gourion, un équilibre démographique acceptable, positif, impose au moins une majorité juive à 80%. Dès décembre 1947, les attaques contre les villes et villages palestiniens s'accentuent. Aïoub, Beit Afa, Qissas, Banat el-Sher, Lifta, Sassa, les attaques et le siège du quartier palestinien de Haïfa en particulier, Wadi Roushmiya et Awaka, mais aussi des bombes à Yafa, à Haïfa, à Jérusalem, en particulier à l'hôtel Semiramis. Le 14 mai 1948, jour de la proclamation de l'État juif par Ben-Gourion, plus de 200 villages palestiniens ont déjà été vidés de leur population. Des milliers de Palestiniens ont trouvé la mort. Et au moins 250 000, d'autres estimations parlent de 400 000 personnes ont été chassées de leur village ou se sont déplacées pour fuir les attaques. Aujourd'hui, par ce rassemblement et cette manifestation, ce que nous voulons, cessez-le-feu immédiat, arrêt de l'occupation, de la colonisation, reconnaissance de l'État de Palestine par la France, sanction des crimes de guerre, arrêt de toute coopération économique, culturelle, sportive, universitaire, militaire et politique avec l'État d'Israël jusqu'à ce qu'il respecte le droit international. Aucune livraison d'armes, arrestation des fugitifs Netanyahou et Galant et transfert à la Cour pénale internationale s'ils osent venir sur le territoire français. Sortez vos drapeaux, vos keffiyehs et allumez vos flambeaux. Nous allons marcher en silence sur la Canebière, puis sur Belzunce, Colbert, République, et terminer à l'Ombrière pour un moment de recueillement. Nous vous remercions d'être présents.
Bonsoir à tout le monde, je sais pas si vous m'entendez bien. Je vais pas rajouter énormément de choses par rapport à ce qui a été dit. Juste vous remercier encore une fois de votre mobilisation depuis maintenant des mois et des mois, avec une détermination qui est une détermination totale ici à Marseille, avec des manifestations régulières. Et c'est le cas à Marseille, mais c'est le cas partout en France et partout dans le monde. Vous dire à quel point, et je crois que ça sera partagé, nous avons été choqués et indignés par la position qui a été publiée cette semaine par le ministère des Affaires étrangères de notre pays, la France, laissant entendre, après les mandats d'arrêt qui ont été émis par la Cour pénale internationale, qu'il pourrait y avoir une forme d'immunité pour le criminel de guerre Netanyahou sur le sol français. Non, la France fait partie des pays fondateurs de la Cour pénale internationale. Et donc en France, il n'y a pas d'immunité pour les criminels de guerre. Et si les criminels de guerre viennent sur le sol français, ils doivent être arrêtés et transférés devant la Cour pénale internationale pour pouvoir être jugés. Voilà la position que la France aurait dû exprimer. Pour le reste, puisqu'il paraît que le gouvernement que nous avons pourrait tomber la semaine prochaine, je redis qu'un gouvernement de la France devrait prendre des décisions urgentes et immédiates pour mettre un terme au massacre et au génocide en cours à Gaza. Suspension de l'accord économique d'association entre l'Union européenne et Israël. Embargo sur les livraisons d'armes. Sanctions économiques contre le gouvernement de Netanyahou. Reconnaissance de l'État de Palestine. Voilà ce qu'on attend du gouvernement français pour que la France joue enfin son rôle et permette la fin du génocide en cours à Gaza le plus rapidement possible. Et comme ils n'ont pas l'intention de le faire, eh ben, chers amis, chers camarades, on va poursuivre notre mobilisation et vous pouvez compter bien évidemment sur notre soutien et sur notre détermination. Merci à vous, merci de votre présence. La lutte et la bataille continuent. S'il vous plaît, faites attention avec les flambeaux, il y a des drapeaux.